Attention à One of Bianca, à 23 euros, je pense que c'est un poulain qui peut tout à fait créer une belle surprise. Le départ de cette épreuve avec à l'extérieur le numéro 6 Osare Brito qui va s'installer aux commandes. En deuxième position le 2 Obama avec également le 7 qui est parti très vite Oni Vrito. Au contraire de la favorite qui est un peu prise de vitesse hein, le long de la corde mais qui fait mouvement pour sans doute se rapprocher dans quelques instants. En quatrième position nous avons le 5 Oldsmobile et donc cinquième prise de vitesse Orgy Vrito, la favorite qui prend son temps. On retrouve le vrai trot au commandement, mais pas forcément celle qu'on attendait avec Osari Vreitot qui emmène le numéro 2 Obama. On est repris avec le numéro 7 Oni Vreitot où on cherchait un dos. On s'est glissé côté grave en troisième position. Faute de l'As. Faute de la grandissime favorite L'As qui va se retirer dans quelques instants, qui laisse seul au commandement Osari Vreitot, Obama, Oldsmobile et Oni Vreitot ensuite. Ouais, catastrophe pour la favorite, malheureusement, qui s'enlève. C'est bien la première fois de sa carrière et on va la disqualifier, malheureusement, ce numéro 1 Orgy Vreitot. On se dirige vers une nouvelle surprise hein, pour cette épreuve à Mons. Le numéro 6, Osari Vreitot qui a tranquillement l'avantage désormais. En deuxième position, Obama dans son sillage, suivi encore par le 5 Oldsmobile. À l'extérieur, le numéro 4 se rapproche, c'est Ostend Danlou qui emmène dans son sillage notamment le numéro 9 I Feel Love. Un peloton qui se reforme quelque peu, à l'arrière duquel nous avons toujours le numéro 10 Ocardo M. Pas beaucoup de changements aux avant-postes avec Osari Vreitot qui mène à son allure dans son sillage. C'est toujours Obama qui a un très bon parcours. Oldsmobile en troisième position. Ostend Danlou qui se rapproche sans faire de bruit en emmenant sur un plateau le numéro 8 Othello Worthy qui progresse à présent en 6-7e position. Lui-même étant suivi par le numéro 11 Okiver. Ouais, c'est Othello Worthy hein, qui se fait ramener tranquillement par Ostend Danlou alors qu'on va passer devant les tribunes. Il reste un tour à effectuer. Toujours sous la conduite de Osari Vreitot qui a l'avantage depuis le départ. Dans son sillage, toujours Obama. Pas de changement pour les positions de tête. Ostend Danlou, le qui se rapproche tranquillement toujours en dehors Othello Worthy dans son sillage, également le numéro 11 Okiver qui essaye de quitter l'arrière du peloton. Côté corps nous avons la casaque orange de Oldsmobile avec toujours à l'arrière Ocardo M qui ferme la marche avec I Feel Love qui est juste devant le 6 qui s'est écarté de la corde. Sébastien, oui, peut-être des robades de Sarri Vreitot. On a profité avec Obama pour se glisser dans son sillage. Ostend Danlou vient en 4ème position. Oldsmobile a gagné un rang ce jeu-là. Othello Worthy vient en 5ème position. 6ème place pour la très grande Oni Vreitot, faute d'Ostend Danlou dans la ligne d'en face. Ouais, avec le numéro 6 qui essaye de reprendre l'avantage là, Osari Vreitot. Jules avait fait l'intérieur, mais Osari Vreitot semble supérieur à Obama pour l'instant. Le tournant final dans quelques instants avec Osari Vreitot qui s'est enfui maintenant. Obama en deuxième position, en troisième position nous avons Oldsmobile avec le numéro 8 côté corde, Othello Worthy, et puis à l'extérieur le numéro 7 Oni Vreitot qui va sans doute finir fort. Après la faute du 3 également. Après s'être écarté, elle a placé un uppercut dans le dernier virage. Osari Vreitot, Obama qui fait la jonction à présent, Othello Worthy qui va en troisième position, Oldsmobile qui fait l'extérieur, Oni Vreitot 5ème. L'ultime ligne droite dans quelques instants avec toujours Osari Vreitot qui a l'avantage, mais attention Obama qui va revenir à la charge à l'extérieur. Obama le 2 qui va essayer de venir attaquer le numéro 6 Osari Vreitot. Obama le 2 qui prend l'avantage maintenant sur le numéro 6 Osari Vreitot. Obama, Osari Vreitot, Obama qui va filer au poteau maintenant. Obama avec Jules qui va s'imposer. Obama le numéro 2 qui s'impose. La deuxième place pour le numéro 6 Osari Vreitot, la troisième place pour le 5, la quatrième place pour le 8. Obama où la forme de Jules Junior va ne plus qu'il grappille encore un succès sur le Sulky d'or avec Günter Loax toujours en tête, mais plus qu'un succès d'avance sur Jules Junior va ne plus qu'il s'impose une nouvelle fois avec Obama très inspiré.